Un sujet qui occasionne alors beaucoup d'inquiétudes et de tracasseries. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le dossier Finiada. On va en parler avec Antoine Rubira dans un premier temps. C'est ce fameux fichier qui recense les interdictions de posséder une arme à cause de délits. Oui, bonjour à tous. On va faire un point sur le département. C'est ça. Est-ce que... Le FINIADA, donc, c'est le fichier national des interdictions d'achat et de détention des armes. Il y a aujourd'hui, à ce jour, 168 dossiers enregistrés dans le département. Donc voilà, c'est... Oui. On ne peut pas dire que les chasseurs sont des voyous. Ah non, 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 mon ami, non, 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 non. Oula, ne criez pas comme ça. Si on regarde les proportions, on est à 168 dossiers, comme je disais à l'instant, par rapport à 6 à 7 000 validations annuelles, on est sur un pourcentage qui est très limité. D'autant que sur ces 168 dossiers, bon, il y en a qui ont eu, pour lesquels il y a eu des recours qui ont été acceptés et donc supprimés. Il y en a quelques-uns où les motifs sont relativement futiles, et Maître Perescouf vous en parlera plus précisément tout à l'heure. On n'est pas tous des voyous, c'est vrai. Je crois que ce qu'il faut quand même... prôner, c'est la prudence dans les actes de tous les jours lorsqu'on veut être chasseur, parce que j'ai du mal à imaginer ce que serait un dossier basé sur une intervention avec une arme à la main. Tout à fait. Hein ? Comment ça se passe ? Que fait la fédération quand quelqu'un est confronté à ce problème ? Alors, la fédération, elle intervient de plusieurs façons. Je ne veux pas anticiper sur ce que dira l'avocat, mais lorsque les dossiers sont basés sur une interrogation du casier judiciaire et donc un fameux B2. Oui, on va en reparler. Là, c'est direction l'avocat. Lorsque c'est sur le traitement des antécédents juridiques, là, on est sur la fédération intervient en termes de conseil et de portée du dossier par rapport aux recours qui peuvent être formulés pour ces intéressés-là. Par rapport au service de l'État, c'est eux qui... Voilà, service de l'État, donc notre intervention, enfin, et celle surtout du président, a été forte vis-à-vis vers les différents préfets qui se sont succédés dans le département. Je pense notamment à une grosse discussion qui avait eu lieu avec la préfète Chevalier, qui était en poste à ce moment-là. Et également avec les services instructeurs de la préfecture. Bon, on essaye quand même de parler et d'évoquer les dossiers parce qu'il y a parfois une certaine futilité dans la cause de la décision. Il y a parfois un petit peu de démagogie aussi, et donc on essaye de limiter. Au discernement, à faire un peu. Voilà. Et je crois qu'il y a une nouvelle circulaire qui est prévue. Voilà, il y a une circulaire qui est en cours de rédaction, et donc on espère prochainement la diffusion, qui devrait clarifier un petit peu les situations et harmoniser les procédures dans les différents départements. Et qui devrait ne retenir que les mises en cause dans des dossiers de droit public. D'accord. On va en parler, si vous voulez bien, voilà. avec Alain Jacques Perescouf, l'avocat de la fédération. Oui, moi, je voudrais juste conclure sur une petite note. Humoristique et très rapide. D'abord, rappeler à tous à nos chasseurs ou nos futurs chasseurs l'obligation de respect d'autrui.
Et puis signaler simplement que on est peut-être un département privilégié dans le mauvais sens, on va dire, sur le nombre de recours, parce que quand on regarde, je crois que la Lozère, ils doivent être à une dizaine de dossiers en tout et pour tout. Et puis un département qui a une certaine, je dirais, une certaine façon de faire, sûrement, qui fait que la loi s'y applique peut-être pas complètement comme chez nous, puisqu'il n'y a toujours pas de dossier, enfin, à notre connaissance, toujours pas de dossier. Ce département, pour vous le citer, c'est la Corse. Merci Antoine. Bon, le micro. Bon. Merci. C'est bon. On va faire bonjour à tous. La Corse, ça déclenche toujours quelque chose, les amis corses. Alors Alain Jacques Pérescouf, vous êtes l'avocat de la Fédération. On va profiter de votre présence pour avoir apporté quelques précisions. Combien de traités de dossiers traités aujourd'hui? Alors effectivement, les dossiers, le traitement des fichiers FINIADA en relèvement des inscriptions est très important dans notre département et crée une réelle difficulté pour nous autres chasseurs. Sur 2018, au sein de ma structure, nous avons comptabilisé 28 dossiers. Sur ces 28 dossiers, nous avons eu gain de cause sur 20 dossiers. Aujourd'hui, vous indiquiez qu'en 2019, on était à 7 dossiers. À ce jour, au sein de notre structure, nous avons 11 dossiers, donc une propension assez importante. On peut se féliciter aussi avec les services de la préfecture qui, avec l'ensemble des dossiers apportés à la lecture de nouveaux éléments, n'hésitent pas à faire une levée du fichier FINIADA. Ça, c'est le premier élément. Comment on fait? Tout simplement, il y a à la base un recours à effectuer à titre gracieux auprès de la préfecture, mais également voir auprès du tribunal correctionnel pour faire cette levée soit du TAJ, du traitement des antécédents judiciaires, soit également sur le B2. Voilà, sur le grand principe. Comment on fait pour ne pas se mettre dans cette situation? Parce que c'est peut-être de là qu'il faut partir. L'exemplarité. L'exemplarité, ça me paraît essentiel de ne pas d'avoir un comportement adapté avec la détention du NAR. Ce qui veut dire que les chasseurs, comme certains citoyens qui ont des passions ou des actions particulières, se doivent être encore plus exemplaires. Totalement, parce que c'est une image aussi et c'est la communication vis-à-vis des extérieurs. Très bien, merci. Merci à vous. Merci à Jacques.